Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce 25e épisode de Let's Play sur Lands of Lore. On arrive presque au bout. J'ai dû aller regarder un peu la soluce parce que c'était pas très clair. On a vu ça la dernière fois et tout simplement, ici, il faut que je lance un projectile. Voilà. Il y avait un bouton dans le fond, mais il fallait le savoir. Ok. J'ai vu aussi que les boules de feu fonctionnaient bien contre les... Voilà, contre les... Enfin, contre les haches plutôt. Bon, malheureusement, quand on n'a plus de boules de feu... Enfin, quand on n'a plus de mana, eh bien, on va taper, hein. Ok, il y a un fantôme. Alors, le cube. Voilà, on va soigner un peu. Il n'y a rien de plus. Donc on va refaire le même schéma, mais à côté. Ici. Oui, on le voit, mais c'est difficile à savoir ce que c'est. Voilà. Très bien. Alors, l'étoile ninja Vega. Bingo. Grande épée destin. Oh. Ow. Ow. D'accord, ça pique. Ouais, on verra ça après. D'abord, boule de feu. Ah oui, d'accord, j'ai déjà pris la grande épée destin, c'est pour ça. Ok. Ok, on va dormir un peu. Ok, parfait. On avance. Voilà. Ah oui, j'ai plus de cartes en plus, c'est vrai. Alors, ici,
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je me fais frapper, mais de où? Ouais, bien entendu, du mur. Il faudra le cube. Ok. Boule de feu 2. Allez, boule de feu 3. Allez. Voilà. Ok, c'est bien. On va dormir un peu. Saleté de fantôme. Allez. Ok, ici. Donc, on va attendre, on va remettre les boules de feu. Ah, zut. J'ai fait un alt-tab, c'est pas bon. Et ça marche pas, bon ben on va taper. Ah voilà. Le feu. Voilà. Mettre dans un coin, il y a un fantôme, c'est pas grave ça. C'est même très bien en fait. Parce que ça me permet de récupérer un peu. Ok. Ah oui, c'était ça. Donc ici, on tombe dans le trou. On va recommencer à partir de... Oula. J'ai un doute. Je ne sais plus. Ah, c'est bon. On est au bon endroit. Enfin, je pense. Ouais, c'est ça. Ok, on est de retour là. Alors, petite seconde, voilà. Donc j'ai récupéré la grande épée des destins. Oui, je lis en même temps un peu le tuto parce que, enfin le tuto, la soluce, parce que là c'est pas clair et comme je n'ai plus de carte. Un peu bouton. Ah oui, d'accord. Donc ici,
Je dois prendre le téléporteur. Ok. Alors, boule de feu. Très bien. Ok. Donc ici, on avance. Voilà. On avance et c'est bien par là qu'il faut aller. J'ai ma carte qui revient. On en profite pour regarder un peu. Très bien. Alors, je vais sauvegarder ici. Pour revenir plus facilement si jamais. Alors, donc là, on retire. Et je me fais téléporter. On va recharger. Alors, je vais vers l'ouest. Voilà, donc. Par là. Ensuite, ne passez pas sur la dalle. Faites... Hein, quoi? Un pas sud, ok. Mais là, je me fais téléporter. Charger. Là, c'est compliqué, je n'ai pas d'indication, c'est ça surtout. Ah, il fallait pas que je touche aux langues, ah, c'est ça le problème. Donc, on va essayer avec toutes les langues en haut. Ah, je me suis fait téléporter. Alors, un pas sud, un pas ouest. Oh, je sais pas où est le sud. Ah, c'est le nord, donc c'est derrière le sud. Tombe dans le trou. Donc on va recharger. Il faudra le faire comme ça, hein. Donc ici. On désactive tout. Enfin, on met toutes les langues en haut. La première langue. On la baisse et on regarde ce que ça change. Vers le sud.
Je me retrouve à l'entrée. Donc c'est pas la première langue que je dois changer. Première langue est en haut. La deux. Mince. Deuxième langue est en bas. Enfin, la deuxième langue, je la mets en bas. Alors, je me suis fait téléporter là parce que j'ai pas pris le bon chemin déjà. Ah oui, non, oh. Bon, allez, on recharge. Je fais une bêtise, donc. Toutes les langues en haut. Voilà. Alors, j'ai fait le pas ouest, j'ai fait le pas sud. Je dois faire le pas ouest. Là, je suis vers le sud, vers l'ouest. Ça tourne. Poser objet sur dalle. Poser objet sur dalle, eh bien... Allez, là. Non, peut-être pas la hallebarde. Voilà. Alors, ne passez pas sur la dalle. Faites un pas est, un pas nord. Ok. Un pas est, un pas est, un pas est. Donc trois pas est. Là, il y a un problème parce que l'est, il y a un trou. Bon, j'ai dû me tromper quelque part, on va recharger. Donc, charge est partie. Si j'active le premier, je me fais téléporter à l'entrée. Si j'active le deuxième, donc, sud, je me téléporte. Et je me téléporte là, d'accord. Donc c'était pas le deuxième. Le deuxième, ça me fait pire que mieux. Ok. Alors. Donc le premier en haut. Le deuxième en haut. Le troisième, on va le mettre en bas. Le quatrième en haut. Donc j'ai fait mon pas ouest, je fais mon pas sud. Je reviens à l'entrée.
j'imagine même pas en fait quelqu'un le faire sans Solus, tellement c'est compliqué. Ou bien il faut vraiment y aller pas à pas et noter tout ce qu'on a fait. Voilà, donc toi tu remontes vers le haut. Toi tu vas vers le bas. Ah. Ah bah non. Donc je suis obligé que tout soit vers le haut. Ok. Chargé. Donc je ne comprends pas le sens de leur tourniquet et compagnie. Là, je me fais téléporter au milieu de la salle. Donc là, je vais faire un pas ouest. Voilà, ils me disent poser objet sur dalle, mais il n'y a pas de dalle. Ah là. Bon, c'est pas grave, elle a la même rôde. On s'en fiche. Donc voilà. Alors, posez objet sur dalle. Ne passez pas sur la dalle. Faites un pas est. Ah, dans l'autre sens. Voilà. Un pas nord. Mais j'en viens. Bon, je reprends la même route qui était là. Un pas est. Allez, boussole. Voilà. Deuxième et. D'accord. Allez. Donc je suis pointé sud. L'est, c'est par là. Et un pas nord. Non, je suis obligé quand même. Hop et hop. Il y a une dalle ici. Bon, j'imagine que c'est celle-là. Hein. Ne passez pas sur la dalle. Faites un pas sud. Voilà, sud. Un pas est. Par là. Ça tourne. Donc là, je suis orienté sud, je pense. Ok. Mais je peux pas faire plus de pas est. Bon, il faut que je trouve une autre dalle. Grosso modo. Il y a une dalle juste là. Ah
Très bien. Avancez vers le mur. Poussez le bouton en face et entrez. Ok, donc là, faut que je trouve un bouton sur un mur. Et oui, j'ai pas de carte, c'est vrai. Alors, boulette, bon, c'est pas grave. Bon, le tout, c'est de retrouver son chemin. Là, je suis là, je parie. Bingo. Ok, donc je vois où je suis. Même sans carte. Donc là. Ouais, c'est ça. Il faut que je remonte. Très bien. C'est là-bas. Voilà, c'est bien ça. Ok, j'y arrive. Donc là, ici, petite boule de feu sur sa tête. Ah, c'est pas là, c'est le suivant. Voilà. Ok, on repère ici. Alors, je suis un peu perdu. Je devrais aller vers le... Vers le sud, plutôt. Hein. Si j'ai bien suivi. Je devrais aller vers le sud. Hop, c'est beau. Petit passage secret. Alors, un peu de soin. Un peu de soin, mais rien de plus. Sérieusement. Allez, boussole. Oh.
coup droit. Je vais poser quelque chose là-dessus. La hache. Bingo. Oh. It didn't do anything. Okay. Et ici, il n'y a rien. Et là, il y a un bouton. Ok, bon, on va dormir. Très bien. On avance. Une petite figurine de dragon que j'avais pas vue. Alors ici. Oui. Et ensuite, comment je sors de là ? Je crois que j'ai fait une bêtise. Il y a un problème. On va recharger. Je crois que j'ai trouvé un bug. Donc ici, on recommence. Maintenant, on a vu quoi? On va y aller vite. Voilà. Plus le bouquin, ça c'est pas grave. Voilà. On remonte toutes les langues. On va vers le sud. Alors ici, on fait attention, on trouve les boutons sur lesquels appuyer. Ah, il y avait un trou. On recharge. C'est une énigme bien difficile, hein. Ok. Oh, il y avait un trou. Pourquoi je regarde pas et que je fais des pas de côté? Ok, bon. Allez, on recharge. Allez. Donc,
ici. Je vois rien d'intéressant. Là. Là, il y a un bouton. Hop, je mets un home. Alors, attention avec les pas de côté, hein, parce que... Donc, toi ici. Où est le cube? Cube, 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 cube. Ah, il est là, le cube. Rien à appuyer. Par là. Ensuite, je remonte. Où est le casque? Je ne le vois pas, je suis déjà trop loin du casque. Ah, il est là. Donc, allez ici. Remonter un là. Non, cul-de-sac. Alors... Allez, la boussole. Ouais, de l'autre côté. Voilà. Là. Ok, j'ai vu, il y avait. Hop, la hallebarde. Pas non. Je vais mettre la lame d'émeraude plutôt. Ah, ça me dérange, la lame d'émeraude. Allez, le bouclier. Là, il faut que j'aille de l'autre côté. Je suis où? Je vais aller vers l'ouest. Comme ça, comme ça. Et c'est là. Bon, allez, les bracelets. Ok, on a ouvert. On a fait les trois. Alors, le casque est là. Donc, c'est par ici. Là-haut, c'est par là. Non. J'ai oublié quelque chose. Comment ça s'ouvre? Déjà le cube. Voilà. Alors ici, on va laisser quoi? Un casque, c'est très bien. Homme de nain. Oh non, il y a un fer à cheval. Ah bah voilà, il y avait un bouton. Donc ici. Voilà, je prends la statuette de dragon. Et puis je sors, voilà. Et je dois aller par là. Et voilà, c'était un passage secret.
Et j'ai de retour ma carte. Waouh! Allez, on sauvegarde. Fais pas le con. C'est quoi ça? Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais faire des boules de feu. C'est moyen. Essayons un peu de foudre. Ça touche encore moins. Essayons un peu de gel. Ça touche bien. On se repose un peu, hein, toujours. Boule de feu, je sais pas de qui, de quoi. Regardons un peu la carte. Ok. Il y avait un bouton. D'accord, c'est en restant là que je... This looks strange and dangerous. Ouais, bah oui, ça crache des boules de feu. Il y avait quelque chose. Oh, ça... C'est moche, c'est très moche. Du soin, du soin, du soin sur Bagata, du soin sur Conrad, Conrad, un soin entier sur tout le monde. Oh purée. C'est qui pique, hein? Alors, j'entends des bestioles. Ah, oui. Ok, touché. Je vais poser un home. Maintenant. Zut. On va essayer de le tuer. Oh purée. Ok, bon. Chargé. On va arrêter de faire les cons. Gel. Ok, voilà. On va rester sur les boules de feu. Je pense que c'est une valeur sûre. Donc ici. Ici. Là, je ne sais pas. Donc là, j'ai certainement ouvert la porte qui était au bout. C'est ça, oui. Il y a un bouton sur le mur. D'accord, c'est pour ouvrir. Mais d'où vient-elle? Allez, Bagata. Du soin. Oh.
Ok. Bon, je ne peux pas mettre assez de poids. Ouais, je peux pas mettre assez de poids pour laisser ça ouvert. Bon, bah, on y va, hein, et c'est tout. Alors, j'entends une sale bête qui arrive. Là, il y a une porte avec un bouton. On va appuyer dessus, on verra bien. Hein. Il y a des portes. Là, je vais fermer pour éviter que les sales bêtes ne viennent dans mon dos. Alors, il y a une alcôve où il n'y a rien dedans. Donc, il faudra peut-être déposer quelque chose. Ça. Un boulet, des chaînes. D'accord. Ok, au moins il n'y a pas eu d'acide sur son armure. Pas encore du moins. Ouais, trois d'affilée en plus, c'est pas non plus un quatrième. Au moins on aura vu. Je pense qu'on va sans armure, voilà, c'est même pas la peine. Bon allez, on va recharger la partie dans le prochain épisode. En attendant, on s'arrête là. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. C'était quelque chose de très compliqué. Heureusement que j'ai la soluce de temps en temps devant les yeux pour m'y retrouver. Parce que là, ce petit labyrinthe, c'est sympa, mais c'est difficile. Je me rappelle maintenant que c'était plus ou moins à ce niveau-là que j'étais bloqué lorsque j'étais plus jeune. Donc là, c'est vraiment de l'inconnu pour moi. Même si déjà avant, j'avais des doutes. Enfin bref. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et surtout, portez-vous bien. Bye !